qui a éventuellement l'avantage de taille sur, sur Hammonds. Enskus tout seul à 3 points. C'est dedans. Avec une défense qui est solide. Ah, ici on trouve Osuni. Osuni qui va être vraiment l'homme à tenir avec Jonas Delalu. Ici on a Dezé qui effectue une grosse défense. Venskus, il reste plus que 5 secondes. Il rejoue encore au poste face à Delalu. Il enfonce et il va finir. Venskus qui est bien rentré dans son match. Ici on cherche ce rond. Van Endof avec Penn sur un écran de Dezé. Dezé, une isolation sur Bolavi. Il a l'avantage physique mais pas de taille. Très bien pénétré. Ici on a Penn qui pénètre et qui va marquer 2 points faciles. Et justement ils se mettent en confiance en défense pour après marquer des shots importants en attaque. Des 3 points compliqués. Et ici construit une très très belle attaque. On a Delalieu qui se prend un écran de Dezé. Ce sera sûrement l'avant-dernière possession Carolo ici. Butler qui fait une fin de shot et qui va terminer à l'anneau. Jouer le rôle d'intimidateur en sortant, en sautant très très haut pour contester le shot. Et ici, très belle passe de Delalieu. Ici, Hit qui trouve Kuta, mais Kuta qui ressort pour Smoot. C'est raté, interception. 2 points pour Quentin Seron. Le Suisse, oh, qui est tout seul. Kuta qui met l'écran, Prepelic, attention il reste 4 secondes, Makwaki l'a shoté, qui se fait contrer. On est toujours du côté de Limbourgeois avec 2 postes 5 et côté Carlo avec 2 postes 4. Kael qui ressort pour ce rond, seul à 3 points. Et c'est dedans, complètement seul. Si on le sent déjà un peu plus impliqué, Kuta. Oh là là, quelle magnifique. Quelle offrande à la place de Hammond. Ici, on sent que les Limbourgeois vont vraiment attendre les dernières secondes pour attaquer. Prendre le temps, ils ont 10 points d'avance. Il reste 2 secondes, shot compliqué en step back. Et ça rentre! Miles Kael! C'est lui-même qui avait tué les Carolos l'année passée en playoff. Oh là là, ici, Makwa qui va s'enfoncer. Ou du moins, consommer un maximum le chronomètre. Kael qui attaque et qui va tout seul à l'anneau. C'est trop facile. C'est trop facile pour Limbourg. De temps que prévu, les Carolos qui interceptent. Venskus, oh là là, et Osunini qui vient encore taper un contre. Mais Kuta vient chercher le rebond offensif.